Yo les gars, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la partie 2 des pires fails de vos chevaux. La première partie vous avait beaucoup plu, j'étais pas très certaine du concept, mais je suis trop contente de voir que ça vous a plu, donc on fait une partie 2 et mon petit doigt me dit qu'il y aura très certainement une partie 3 vu la quantité de vidéos que j'ai reçues. Je tiens à rappeler que le concept c'est vraiment les fails de vos chevaux, c'est les chevaux qui sont mis à l'honneur dans cette vidéo. On n'est pas du tout sur les chutes de cavaliers, je laisse ça à ceux qui savent réagir à ce genre de choses. Moi, ce qui me fait rire, c'est les bêtises de chevaux parce que j'ai moi-même deux clowns qui me font des bêtises très régulièrement et j'en ai quelques-unes en vidéo et c'est comme ça qu'est parti le concept de cette vidéo-ci. Donc écoutez, on est parti, on va découvrir les bêtises de vos petits poneys. Let's go! J'adore! Tu voyais? C'est exactement pour ça que j'aime ce concept. On commence de la meilleure des manières. Une glissade. Oh, j'adore. J'adore, ça m'éclate. Vraiment, les voir glisser comme ça, ça me fait rire. Après, des fois, un petit coup d'ostéo est le bienvenu hein, par la suite. On va pas se mentir parce que ça peut faire vite bobo, ce genre de glissade. Mais vraiment, les chevaux, c'est les rois pour faire ça. J'adore, j'adore. Oh non! C'est les meilleurs. Aucune crédibilité. Aucune crédibilité en Shetland qui fait le poney énervé, ça marche pas, genre. Ah ouais, bah pourquoi pas. Elle nous fait un bas de pied là. Mais ça va pas bien. J'adore. Trop mignon. J'avais un peu chaud, maman, alors je me suis permis de tremper la patoune. Et ça a glissé, et ça a glissé, et ça a glissé. Oh oh. C'est beau. C'est quoi ce bruit? Mi-dinosaure, mi-gros-gros dégueulasse du mec qui vient de finir sa bière. Oh mon dieu. Oh, oh vraiment, on dirait le mec le dimanche matin qui est déjà à la binouze. À midi, il lâche son énorme ro après ses 50 litres de bière. Oh, ça me tête. Oh, franchement, s'il n'y avait pas un cheval sur la vidéo, ce son serait immonde. Oh, ce son serait immonde. Ah bah un deuxième team bain-pied. Je pense que je vais peut-être investir dans ces bacs à eau. Peut-être que Soleil et Sangoku seront contents d'avoir une piscine. Apparemment ça a l'air intéressant. Oh une langue. Oh une langue. Ça, c'est le pochetron du bar du coin d'avant qui a lâché son ro. Ça, c'est son état après. Trop bourré. Ça me tue. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. En balnéothérapie, tout ça, là, la pension à 800 euros la semaine pour faire des petits soins argileux et tout ça. Non, lui, il a réglé le problème tout seul. Il a trouvé son étang. Boum. Oui, je rigole parce qu'un poney a lâché des pets. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Rien du tout. Rien du tout.
Oh, l'esquive! Oh, l'esquive! À deux doigts de lui sauter par-dessus, quoi. Oh là là, les génies! Oh, on tient quelque chose, là! Incroyable! Incroyable! Ah, dans la neige comme ça! En vrai, dans la neige, c'est trop bien, ça amortit de ouf! Genre, petite glissade au calme! Elle charge. La jument, elle charge une vache! Oh! Bah. Et. Ce n'est pas n'importe quelle vache! C'est une vache de CSO, une vache de compète! Attention, la vache saute par-dessus la clôture! Et. Alors, attendez, trois choses à dire. Le poney, c'est une bombe. Est-ce qu'on en parle de comment il saute? Deux, il enchaîne lui-même sa ligne courbe. Incroyable. Trois, esquive de la loutre. Ceux qui sont sur TikTok ont la ref. Non mais, incroyable, incroyable cette vidéo. Il se passe trop de choses. Elle était sympa celle-là, elle était sympa cette glissade. Un petit arrêt postérieur comme ça, à tout moment ce cheval-là tu le mets au western, on est bon. C'est un Shetland ou c'est un sanglier? La question peut se poser. On ne sait pas trop, hein. Bouboule sanglier peut-être, hein. Et voilà. Mais sur Shetland, c'est beau. C'est beaucoup trop mignon. Oh, je meurs. Je les adore, ces petites bestioles. Oh, le nuage de poussière. Oh là 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 là. Je m'attendais pas à cette chute. Ah, comment il fait trop genre à la fin. Ah, je me suis pas du tout cassé la gueule, regarde, je me roule. Non. On t'a tous vu, on est tous témoins. Et là, le dernier visionnage pour finir cette vidéo. Oui! Oui! On finit sur une chute dans la neige! Ma vie! J'adore! Ah! J'adore! Vraiment, tu me mets un cheval qui glisse, ça me plie. Mais alors, tu me mets un cheval qui glisse dans la neige, sachant que la neige, j'adore la neige. Je vis l'hiver uniquement pour la neige, sinon je rentrerai en hibernation. J'adore, ça me fait kiffer, je kiffe. Oh, merci. Merci pour vos petites vidéos. Je repense au Shetland sanglier. Bon. J'espère vraiment que cette vidéo... Je suis désolée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait rigoler. En tout cas... Ça m'a fait rigoler. J'allais dire, je vous souhaite une bonne nuit, mais à quel moment je dis ça? À quel moment? Jamais de la vie. Je vous dis un très grand merci pour cette année 2021 qu'on a passé ensemble sur cette chaîne YouTube. On aura vécu des moments pas trop drôles et des moments très drôles, comme aujourd'hui, n'est-ce pas?
Voilà, écoutez, on espère que 2022 sera tout aussi riche en rebondissements, en bonnes et parfois en mauvaises nouvelles. Mais voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, passez un très joyeux Noël, un très bon nouvel an, et puis je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous tout le monde, ciao!